Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Miss Bambi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Dans cette vidéo, on va parler des The Game Awards qui s'est produit justement à 3h du matin hier. Donc voilà, petite précision, c'était à 3h, c'était assez tard, je n'ai pas pu y participer. Mais j'ai regardé la rediffusion et c'était plutôt intéressant, même si c'était en anglais. J'ai quand même kiffé la regarder pour avoir quelques petites informations par rapport à Donald Mustard. Puisque, comme vous le savez, Donald Mustard, le directeur créatif de chez Epic Games, a pu justement parler pendant cet événement. Je vais vous remontrer quelques petites rediffusions de celui-ci. Et on va parler d'une prochaine collaboration entre Fortnite et The Walking Dead, qui est une série Netflix qui est très connue d'ailleurs. On va parler de tout ça, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez pas mal d'informations. Avant de commencer la vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toute l'actualité de Fortnite, les leaks, les news, les défis et les boutiques. Avec ça, vous serez au courant de tout, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez liker la vidéo, la partager à vos amis et commenter, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Donc merci beaucoup à tous ceux qui y pensent et justement qui le feront. N'hésitez pas non plus à rentrer mon code créateur dans la boutique Fortnite. Il s'affiche juste à l'écran, Miss-Bambi avec deux i. Je compte sur vous les amis. Merci à mes 4 sponsors de toujours soutenir la chaîne. Si vous souhaitez rejoindre la team Bambi Family, n'hésitez pas en rejoignant justement les sponsors. Ça m'aiderait énormément. On peut passer à la suite de la vidéo. Bon visionnage à tous. Joining me right now is the Chief Creative Officer of Epic Games, Donald Mustard. Donald, it is great to have you on the show. It's a yearly tradition, new Fortnite season. What can you tell us? Oh man, so awesome to be here. So awesome to see you. This is amazing, Jeff. You did this yet again. I was so excited right now. New season has started. We just all battled Galactus together with our favorite Marvel heroes. And what that's done is it's left the Fortnite zero point exposed, and Agent Jones is looking for all these hunters throughout all these different realities that can help him stop anyone from escaping from Fortnite. And we've already seen several characters come in, and we have one more that he's bringing in right now. Comme l'a annoncé Donald Mustard, le pack Major de chez Halo, le jeu justement, est dans la boutique aujourd'hui même. Vous avez le pack Major à 2600 V-Bucks qui comprend le skin, le sac à dos, la pioche, le planeur et justement une émote qui est vraiment stylée, on va pas se mentir, ça fait un petit peu comme l'émote scooter avec Deadpool. Et bien c'est le même principe, sauf que là c'est avec un petit 4x4, donc c'est plutôt pas mal. Le pack en soi n'est pas super cher parce que il est assez complet, vous avez le skin, sac à dos, pioche, planeur et émote, donc pour le coup c'est à ça bas. Et du coup regardez tout ce qu'on a dans ce pack, c'est juste magnifique. Et c'est ce que a annoncé Donald Mustard avec le petit trailer où on voit le poisson qui va chercher un petit truc à boire, un petit soda. Il ouvre justement le frigo, le réfrigérateur, et puis il voit le skin sortir. Donc c'est juste trop bien fait. J'ai adoré le trailer parce que moi-même, j'ai trouvé qu'il était super bien réalisé. Beaucoup ont été, dans mon cas, ont été surpris. On savait que le skin allait sortir, mais on ne savait pas encore la date. On ne la connaissait pas encore. En sachant qu'il y avait les The Game Awards qui arrivaient ce soir-là, eh bien, on se disait qu'il y avait peut-être une chance que le skin sorte. Et pouf, le voilà dans la boutique. Donc si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur Miss-Bambi avec deux i, ça me ferait super plaisir. On passe à la suite. Master Chief comes to Fortnite. You're getting them all, Donald. Isn't that crazy? Like, Master Chief is just one of my most favorite characters ever in anything, and I'm just, we're so thrilled that he can join the ever-growing cast of characters in Fortnite. And the coolest thing is he's going to be available tonight. In Fortnite, you can go and get Master Chief. And I know there's some, cool. Some more Halo coming as well, I heard? Yeah, so I think, you know, we didn't want it to stop right there. And so there's something else I think we should check out. Well, hello, sir. It's an honor. Hey, Sarge, did you hear? Huh, I guess you already got the news. What news? Master Chief is coming to Fortnite. Well, for what now?
it's only one of the most popular video games in the world, but more obviously, it's where we are right now. Huh. Wait a minute. If you had no idea that we're in Fortnite, then why do you have a cardboard cutout of Master Chief? Perfectly regular reasons. Whoa. You guys new around here? No! The Chief got eliminated by a sneaky blue! That's no blue! That's Ninja! It's such an honor. I'm a huge fan of yours on Twitch. Twitch? Is he twitching because he's blue? Stop making us look bad in front of Ninja. We're Sergeant Griff from the popular web series Red vs. Blue. You probably watched it about 10 years ago. What are you doing here? Well, it's more than just the Chief coming to Fortnite. This map is too. It'll be in creative mode starting at 10 a.m. Eastern time tomorrow. Oh, so that's what we're doing in Ragnarok. You mean Basin. I'm pretty sure it was called something else. Either way, you can start reliving your favorite Halo memories here in Fortnite, and maybe add your own personal touches to the map. Hey, wait, does that mean we can have dance battles? Come on, Ninja, what do you say? Save it for New Year's. Eh bien, sachez que pour l'arrivée du skin Master Chief dans la boutique, une île créatif a été créé. Justement, elle arrivera aujourd'hui normalement vers les coups de 14h-15h. Je vous mets le code justement du mode créatif pour accéder à cette map. Franchement, allez-y, ça vous coûte rien et puis au moins vous pourrez vous amuser un peu avec vos amis. La map est super bien réalisée comme vous aurez pu le voir justement dans le petit trailer qu'a annoncé aussi les The Game Awards avec Donald Mustard. Donc je vous mets le code pour accéder à la map, elle est déjà disponible, donc vous n'avez plus qu'à la tester et à m'en dire des nouvelles. Red versus Blue, Donald. Yeah, isn't that so awesome and so funny? So what's awesome about that is that Blood Gulch was recreated in Fortnite Creative by this awesome creative team that call themselves Atlas Creative. And tomorrow at 10 a.m. Eastern, you'll be able to go into Fortnite and you can play Capture the Flag in a recreated version of Blood Gulch. Oh my God. It's gonna be fun. Everything is in Fortnite right now. So are you done for the season? You know, I mean, Agent Jones is actually just kind of getting warmed up. So I think there's actually one more thing that we should show you. Grosse surprise de la part de Donald Mustard, un partenariat avec The Walking Dead qui va ramener dans le monde de Fortnite Michonne et Daryl, justement de la série Netflix The Walking Dead. C'est incroyable, on ne s'attendait pas à cette annonce de la part de Donald Mustard et pourtant, comme vous l'avez vu dans le trailer, il va bel et bien arriver. On voit l'agent Jones qui vient justement dans le monde de Walking Dead et chercher les deux personnages pour les ramener justement dans le monde imaginaire de Fortnite. Donc grosse surprise. Je vous ai parlé justement des dates, quand est-ce que ces deux skins vont arriver dans la boutique. On pense que les deux skins de Walking Dead, donc Daryl et Michonne, vont arriver justement le 17 décembre, donc la semaine prochaine, en même temps que justement les 14 jours de Noël. Ça va être assez sympa. Si j'ai plus d'informations, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Comptez sur moi comme d'habitude. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura informé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà encore fait pour être au courant de l'actualité de Fortnite. Likez, partagez et commentez. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A plus !